BD, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Nice et qu'on retrouve Paul dans la librairie BD Fugue. Salut Paul. De m'avoir invité. Et, mais c'est un plaisir. Donc, voilà, alors, nous voilà à BD Fugue. On existe depuis une quinzaine d'années maintenant sur Nice. Oui. Donc on est quand même bien établi. Et puis on est une librairie de bande dessinée, comme on dit, généraliste, dans le sens où on fait la bande dessinée européenne, le manga, le comics. Voilà. Et il y a un esprit café aussi, impossible. On a un coin café. Alors, il faut bien avouer que 2020, le coin café a quand même été sérieusement mis à mal. On a fait quelques dédicaces virtuelles avec des auteurs, avec Facebook notamment. Mm-hmm. Soit seul, soit avec bdfugue.com, qui nous a apporté un peu une expertise là-dessus. Parce que oui, BDFugue, c'est une association de libraires indépendants. BDFugue.com, qui fait un petit peu le lien entre les librairies physiques. D'accord. C'est important de le signaler parce qu'on n'est ni une chaîne, ni une franchise ou alors une franchise light. Voilà. Donc, on est tous indépendants, regroupés sous la même enseigne. Donc, à part quelques dédicaces virtuelles, je ne sais pas, 5 ou 6, surtout depuis mars, depuis un an, c'est à peu près tout. Hein. D'accord. C'est un peu compliqué pour ça. Hein. Mais oui. Alors, justement, là aussi, on attendra des jours meilleurs. Mais oui, ça va venir. Voilà. Alors, justement, je vais te demander, comme à tes collègues, quels sont tes trois coups de cœur pour ce soir? Alors, j'ai sélectionné trois choses qui m'ont beaucoup plu. D'abord, le nouvel album de Guy Delisle, je ne sais pas si on le voit bien ici. Oui. Voilà. Chronique de jeunesse. Guy Delisle qui nous avait déjà régalé avec ses albums de voyage. Il y avait Shenzhen, l'excellent Pyongyang, Chronique de Jérusalem. Et là, il est revenu un petit peu sur son enfance canadienne, québécoise. Alors, c'est un petit peu à la mode dans le sens où l'Arabe du futur a relancé un petit peu la mode de l'autobiographie, mais d'autres l'avaient fait déjà à l'association, comme David B. ou d'autres que j'oublie. Hein. Mais c'est là où on voit la patte d'un artiste, c'est que c'est sa biographie, mais il arrive à en sortir quelque chose vraiment à la fois de passionnant, drôle, toujours ce petit côté pince sans rire qu'il a toujours eu dans ses albums, où c'est la rencontre finalement d'un post-ado qui va commencer bientôt ses études, donc Guy Delisle lui-même, qui va travailler l'été dans une imprimerie pour arrondir ses fins de mois et préparer ses études. Donc c'est la rencontre d'un étudiant ou d'un futur étudiant avec le monde du travail qui ne connaissait pas et le monde du travail qui ne le reconnaît pas non plus. Enfin, les gens ne comprennent pas, non, t'es un artiste, tout ça. Enfin bon, dans un milieu qui est très éloigné de ça. Bon, ça passe, c'est quand même dans les années 80. Hein. Mmh. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a un côté rigolo et un côté aussi social qui m'a beaucoup plu. Alors, il y aura certainement une suite, peut-être pas, enfin, j'espère en tout cas, qui seront peut-être sur ces années d'études. Passionnant, comme tout ce très qu'il bien a pu faire. Un deuxième. Ensuite, j'avais sélectionné, parce que bon, je trouve qu'il faut rire ces temps-ci quand même. Larsenet, là aussi, un bonhomme qui n'a pas raté grand-chose, il dirait même qu'il a tout réussi. Et il est revenu après Blast, après la théorie Brodeck, sur l'humour, avec Thérapie de groupe, qui est, alors en 2020, janvier 2020, était sorti le premier tome, qui était pour moi l'un des plus drôles des albums de l'année. Et là, le tome 2 vient de sortir, Ce qui se conçoit bien, le titre de l'album, où il va nous parler toujours de sa dépression avec énormément d'humour, mais aussi un petit peu tout le milieu, tous les milieux d'hôpitaux psychiatriques, le milieu de la psychanalyse, tout ça dans le sens où il veut progresser dans l'art. En fait, il se présente comme un artiste bloqué, un artiste fini. Et il cherche par tous les moyens de retrouver, comme il dit, son étoile qui danse. Et c'est un album qui m'a vraiment fait rire, qui est tout à fait réussi. Ouais, qui est j'aime très, très drôle. De Larsenet. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as lu, toi. Ouais, c'est très drôle. Non, c'est très drôle. Je crois que j'ai relu trois fois. C'est assez rare parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour lire, pour relire les bandes dessinées. Mmh. Mais là, celui-ci, je me le suis accordé parce que chaque page est une petite merveille.
Ouais, on rigole bien. Donc vivement la suite, j'ai beaucoup apprécié. Et dans un genre plutôt, on dira, épais roman graphique, qui est sorti la semaine dernière, Les Amants d'Hérouville. Alors, j'en attendais pas grand-chose, je ne savais pas. Je ne connaissais rien sur Hérouville, sur Michel Magne. Et cet album a été d'abord une révélation parce que j'ai redécouvert tout un pan de la musique des années 70-80 en France avec l'émergence de ces studios qui étaient très originaux. Le dessin est superbe et tout est égrené par Marie-Claude, ça. Est-ce que je ne me trompe pas sur le prénom quand même? Oui, c'est bien Marie-Claude, qui raconte ses souvenirs quelque part et ça rajoute un supplément d'âme. C'est vraiment très réussi parce qu'on est vraiment dans la vie de ces gens-là. Voilà, et leur vie à la fois quotidienne et triviale, mais aussi le côté complètement fou. Des Rolling Stones qui viennent, Johnny qui vient chanter, enfin bon, tout le showbiz des années 70-80 a quasiment débarqué à Hérouville. Et la fin est assez poignante, dans le sens où les financiers ont rattrapé les studios Hérouville qui cherchent à renaître, tel le phénix. Hein. Eh oui, mais nous. J'ai trouvé cet album, ce gros album, vraiment, vraiment superbe. Ouais, moi je ne l'ai pas lu On voit un petit encore, mais peu le quelle lumière. graphisme a l'air d'être sympa aussi. Tu as lu celui-ci? Non, je ne l'ai pas lu encore. Je te le conseille, c'est vraiment, à mon avis, un des grands romans graphiques de l'année 2021. Je sais que c'est peut-être encore un peu tôt, hein, mais je m'engage sur celui-ci. Ah bah écoute, on Il y a pas verra, je reviendrai te voir plus tard pour voir si. Voilà. Effectivement, ça Et a en l'air très plus, bien. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de photos d'archives. Donc là aussi, ça rajoute il y a un petit plus avec toutes ces photos d'archives qui montrent un petit peu les studios d'Hérouville et puis leur vie de couple également. Donc c'est vraiment, vraiment un très bel album. Eh bien écoute, super, trois beaux albums à découvrir. Donc on invite nos téléspectateurs à venir à BD Fugue jusqu'à demain 18h, puisque ce week-end, il va falloir attendre la semaine prochaine, sinon. Exactement, exactement, on va faire avec. Eh bien écoute, Allez. Paul, je te remercie beaucoup et puis ben, bon courage et puis à très bientôt. Sortez masqués. Allez, salut!